Quand on a détaché tout ce que nous avons dit là, maintenant l'amour peut prendre alors toute sa place. On a le sondage qui s'affiche, hein. Et Tatiana qui rentre. TikTok. Voici Miss TikTok s'assoit, elle salue. On fait pas de transition, on y va directement. C'est le vendredi, tout est permis. C'est comment Tatiana? Ah, on est là. Je sais pas comment le plateau est beau, il y a plein de monde, tout le monde. Mais elle est toute belle aussi. Mais elle est encore illuminée. Je m'apprêtais à le faire. Tu es magnifique. Le plateau. Et c'est Tatiana qui fait son texte. Vous êtes magnifique, vous aussi. Tu sais, je peux retourner même, il n'y a pas de souci. Galagan, enchanté. Attendez, je vais pas rater Renio. Du fait, je cherche à prononcer depuis, c'est compliqué. Alors, écoute, rien n'est compliqué sur TikTok. Et cette semaine, il n'y a pas d'award. Mais toute l'award que je peux remettre, hein, c'est à nos TikTokers et à la TikTok gang. Grâce à eux, j'ai un top 5 magnifique. Et on va commencer immédiatement par le top 5, hein, le numéro 5, qui est Dylan Comedy. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il nous montre la réaction de nos stars, les stars de la chanson camerounaise, quand elles heurtent leurs pieds contre une table. C'est drôle à mourir. Regardons. Ah. Et avant d'avoir retrouvé Dylan, on peut faire un commentaire complet sur ce qui attend les téléspectateurs. Bien non, c'est sûr. C'est quand même un top 5 avec Dylan qui ouvre, mais il y aura aussi, il y aura Daphné dans le top 5. Non, moi, nous, j'ai dit, bon, le top 5, on regarde là, c'est bon. Il veut me déranger, me déstabiliser, il veut envoyer son joujou. Allô, il faut qu'on change de table. On doit changer de table. Oui, il faut changer. On doit... Mama, yeah, mama, yo. Oh non, 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 général. Yuma. Non, non, non. Dis-moi, dis-moi, abattu de moi. Il est cinquième, ça veut dire que c'est quelle la mort imagination. Qui nous attend. Je vous ai dit que c'était un top 5 excellent ce jour. Enfin, écoute, le cinquième comme ça, il peut être premier même. Le quatrième n'est pas premier, il reste quatrième. Il s'agit cette fois-ci de Daphné qui nous montre un côté de sa personnalité qu'on ne connaissait pas. Elle est turbulente, mais hyper marrante. Regardons. Sorry. I'm serious now. Bravo, Daphné. Ah oui, hein. Tu savais que c'est Brésil qui fait ça? Elle fait ça, elle lorgne un peu et tout, et c'est très, 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 très marrant. En tout cas, aussi marrant que ça a récolté plus de 82 000 vues, personnes n'ont vu ça, et près de 8 000 likes, ce qui est très bien. Elle est très, très bien aussi, hein, c'est notre top 3, Marcel Coutieu, qui reçoit la visite de Minx, l'artiste. Et il est venu visiblement pour une bonne raison, c'est supprimer notre frustration, celle de savoir... Quel est le père de l'enfant de Poupie? Regardez, c'est... J'ai dit à Miss, tu veux pas rester chez toi? Il vient te rendre visite, tu n'es pas content. Attends, avant de m'embrouiller, le père de l'enfant, c'est où? Le père de quel enfant? Vous avez craché le père de vos enfants comme ça? C'est ta vie. Sortez-nous les sugar daddy, on peut les voir. Non, tu crois que c'est un sugar daddy? Même lui n'a pas réussi à avoir la réponse. On reste frustré. Hein. Enfin, elle n'est pas frustrée. Venez me demander le père de l'enfant de Poppy, je vais vous dire. Oh, à toute efface. Bon, on fait un TikTok. OK. Moi, je vous dis juste ce qui se passe sur TikTok. Et mon top 2 avec Caprice Audrey, en fait, elle trahit le syndicat des femmes. Parce que nous aussi, on a un syndicat. Elle nous trahit en dévoilant ce qu'on pense faire avec notre salaire et ce que nous faisons réellement une fois qu'on a notre salaire. C'est quelque chose, regardez. Dès que je touche mon argent, là, je rembourse d'abord mes dettes. Je ne veux pas la malchance. Après, j'achète. Non, je fais d'abord mon bilan de santé. D'abord le bilan de santé. Après, j'achète mon lait de toilette. Je n'ai plus de lait de toilette. Puis un nouveau sèche-linge. Mes serviettes hygiéniques en quantité, bien sûr. Et mes verres. Je n'ai plus de verres. Allô? Oui, Indian Hair. Il y a une mèche que tu as posée sur ton statut il y a 2 semaines. C'était bouclé comme ça. Tu as la taille 49 de ça. Ok, viens me livrer ça. Allô? Oui, shopping, il y a un ensemble que tu as posté en cuir il y a 3 semaines. Il y avait le noir bordeaux et le rouge. Tu as encore le noir?
expédie-moi ça. Allô? Oui, madame, j'ai pris votre numéro sur Facebook. Vous avez encore les ring light? Je veux le gros là. Ok, venez me livrer ça. Il faut que j'appelle ma... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les Snapchat. Il faut qu'on sorte ce soir. Allô, Mako? Tu fais quoi? Il faut qu'on parte fumer, la chercher et manger la vie ce soir. J'ai l'argent. C'est moi qui t'invite. Ouais, je t'invite. Ce qu'on fait effectivement. Effectivement, elle le trahit un peu. Bah, écoutez, les hommes veulent toujours savoir ce que font les femmes de leur salaire. Vous avez un peu la réponse. Et ma réponse à mon top 1, c'est le top 1, ça fait TikTok. Il a été vu par 500 000 personnes et liké plus de 59 000 fois. C'est énorme, hein, très énorme même. Il s'agit de qui vous avez envie de savoir? Il s'agit d'une fille qui est amoureuse. Ou bien elle a failli tomber encore amoureuse. Elle pouvait compter sur sa copine pour lui rappeler le passé. C'est très important. Bon, on va découvrir qui elle est. On regarde. Toi là, donc tu es encore en train de tomber amoureuse. Hein? Tu as oublié la dernière fois. Hein? Tu as oublié. Ok, toi-même là-bas, vas-y. Toi là, donc tu es encore en train de tomber amoureuse. Hein? Tu as oublié la dernière fois. Hein? Tu as oublié. Ok, toi-même là-bas, vas-y. C'est énorme et je tiens à rappeler que c'est une parodie de Carla Rose Minzier. J'espère que je n'écorche pas le nom. Voilà, c'est mon top 5 de cette semaine. Super, rien n'a été accroché. Voilà, c'est super. Parmi tes top 5, si j'ai quelque chose à dire, moi je mettrais le premier. Oui, le dernier était le dernier. Le premier, vraiment. Mais c'est les TikTokers qui décident, c'est pas nous. Alors, je mettrais le dernier en premier. Je suis un peu. Celle qui faisait les projets. Il va falloir qu'on pose un tout petit peu, on va se retrouver à Paris.